Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. 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 Vous savez, il y a quelque chose que j'aimerais parler avant de commencer mon message, qui va être la suite de ce qui a été commencé vendredi. Amen. Amen. Vous savez, il y a une chose qui est importante à savoir. C'est qu'on ne parle pas de feu sans que quelque chose se passe. Amen. Amen. Quand on parle de feu de manière humaine et quand un incendie commence à toucher les forêts, on parle de grands dégâts. Amen. Amen. Et quand un feu commence à ravager comme ça, ça ne laisse jamais sans aucune conséquence. Amen. Nous avons prêché le feu vendredi. Pendant la prédication, il y avait un feu puissant qui était là. Nous avons commencé la réunion aujourd'hui, le feu continue à grandir. Nous avons parlé de ce que c'était l'importance du feu, comment ensuite, quand Jésus envoie le feu sur la terre, comment le Saint-Esprit nous traduit ce qu'il veut dire. Parce que le feu est la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais juste changer le micro. Parce que le micro est... Amen. Un, deux. Amen. Donc, si nous commençons à comprendre cela, nous savons que si Dieu, si lance du feu sur ta vie, quelque chose de nouveau commence à se produire. La Bible me dit que quand la lumière vient dans la vie d'un homme, tout ce qui est ténèbres commence à faire surface. Et tout ce qui est ténèbres commence à être détruit quand le feu descend. Amen. Alors ne soyez pas étonnés si vous avez peut-être découvert des personnalités dans votre personnalité qui vous semblaient étranges. Le feu ramène toute chose à la lumière. Et de la même manière qu'un feu humain, quand il commence à venir sur une forêt et commence à incendier une forêt, fait des dégâts, tout ce qui était ténèbres dans ta vie commence à être en dégât par le feu de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons grandir dans cette dimension, non seulement du feu, mais nous allons apprendre ce que c'est la parole de Dieu. Amen. Nous allons voir où nous devons mettre notre foi et quand nous devons mettre notre foi. Amen. La Bible nous dit là, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Car tous ne sont pas de Dieu. Amen. Alors c'est bien d'avoir la foi, c'est même très bien d'avoir la foi, mais attention à quoi nous mettons foi. Amen. Ne mettons pas notre foi à tout et à n'importe quoi. Amen. Parce que nous allons voir ensemble que le diable veut aussi prendre ta foi pour déclarer des choses mauvaises sur ta vie. Amen. Donc nous allons lire ensemble le livre de 2 Rois 2, verset 19. Au début, ça semble flou, mais vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le message, ça va devenir une clarté pour votre vie. 2 Rois 2, verset 19. Les hommes de la ville dirent à Élisée, « Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et dans le pays c'est la stérilité. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, il jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. La Bible nous dira, regardez ce qu'il nous dira, « Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et dans le pays c'est la stérilité. » Amen. J'aimerais vous dire une chose capitale.
Alors que les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils n'auraient jamais pensé qu'un jour, dans le pays promis, il y aurait des eaux qui sont mauvaises. Amen. Et nous-mêmes, alors que nous avons maintes et maintes fois prié pour le réveil, prié pour des grandes choses dans nos vies, pour que Dieu donne son feu dans nos vies, on n'aurait jamais cru que le jour où nous rentrerons dans cette dimension, il y a des eaux mauvaises dans nos vies. On a toujours eu l'impression que le jour où nous commençons à marcher avec Dieu et que le Seigneur nous touche puissamment par son esprit, tout serait rose et qu'il n'y aurait pas aucune difficulté et que dans notre cœur, tout notre caractère serait totalement tellement transformé qu'on n'aura plus aucune difficulté et qu'il n'y aura plus d'eau mauvaise dans nos vies. Les enfants d'Israël, c'est ce qu'ils croyaient. Mais regardez ce qu'ils diraient. Ils ont appelé le prophète. Et ils ont dit au prophète, écoute prophète, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise. Et dans le pays, c'est la stérilité. Il dira, les eaux, là, avec laquelle nous devons nous abreuver, est mauvaise. Et à cause de ces eaux mauvaises dans le pays, c'est la stérilité, il n'y a pas de production, malgré que nous sommes dans un pays qui est très bon. Amen. Et bien souvent, peut-être dans ta vie spirituelle, bien que tu es dans un niveau de grâce où tu sens la présence de Dieu, tu sens le feu, tu sens la grâce de Dieu qui est là, tu remarques que dans tes pensées, il y a une eau mauvaise. Tu remarques que dans ton cœur, il y a une eau mauvaise, et à cause de ces eaux qui sont mauvaises, ça produit une stérilité spirituelle sur ta vie. Tu sens la présence de Dieu. Tu sais que la foi est là. Tu sais que tout est possible en celui qui croit. Mais quand tu arrives à l'action, à cause de ces eaux mauvaises, ça amène une stérilité sur ta vie. La Bible dit, le prophète était là. Et le prophète dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini ces eaux. Amen. De la même manière que le prophète a jeté le sel, Jésus a dit une parole particulière, je suis venu sur la terre pour jeter un feu. Amen. Je suis venu sur la terre pour jeter un feu. Le prophète Élisée a dit, apportez-moi un plat neuf. Jésus est venu et a amené un corps nouveau sur la terre. Et de ce corps, il a jeté un feu pour ta vie. Amen. Et regardez ce qu'il dira à ses eaux, il a dit, ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini ses eaux. Ainsi parle de la même manière Jésus, qui est assis à la droite du Père, qui a envoyé son feu. Je vous donne la traduction de ce que le Saint-Esprit dit. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas pris de traducteur. Parce qu'aujourd'hui, je fais le traducteur. Amen. Alléluia. Je vous traduis ce que le Seigneur y fait. Amen. C'est cela que nous devons comprendre. On n'est pas seulement dans une église pour entendre un bon sermon qui nous chatouille l'oreille, mais nous sommes dans l'église pour comprendre les dimensions, comment Dieu agit et qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Amen. C'est comme ça que nous pouvons grandir. C'est pour cela que la Bible me dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Et parce que nous ne comprenons pas comment Dieu agit, alors nous sommes sans cesse. Une fois chaud, une fois froid, une fois chaud, une fois froid, une fois chaud, une fois froid. Amen. On commence à mettre les cœurs cardiaques de Tardina. Amen. Mais nous devons comprendre, Jésus est venu pour jeter un feu. Et nous, nous sommes là pour le recevoir. Amen. Le feu est jeté sur la terre. Maintenant, c'est nos cœurs qui désirent le recevoir. Amen. Est-ce que ton cœur est prêt à toujours plus recevoir? Nous avons prié depuis vendredi, le feu commence à descendre. Vendredi après le culte, j'étais tellement, le feu était tellement fort que pendant tout le trajet, toutes les 30 km, j'étais en train de brûler dans tout le corps. Je me suis allongé, j'étais encore en feu, je touche mon époux, j'ai dit mais t'es chaud. J'ai dit le feu il est encore là, il agit encore. Amen. Mais le feu amène une réalité sur ta vie et toute chose des ténèbres arrive à la lumière. Amen.
On a parlé du feu parce que Jésus est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il est aussi la lumière du monde. Il est le feu et la lumière du monde. Donc si la lumière arrive dans ta vie, il est normal que toute chose des ténèbres arrive à la lumière. Amen. Et les choses des ténèbres vont arriver à la lumière d'où? Ils vont arriver à la lumière de tes pensées. Et c'est dans tes pensées que tu vas voir que dans ta vie, il y a beaucoup de choses ténèbres. Et les gens qui vont te faire peur, ça ne va plus être ton voisin, ton frère, ta soeur, mais ce qui va te faire peur, c'est toi-même. Parce que tu vas te dire, je ne savais pas que mon cœur était si mauvais. Dieu commence à te montrer comment il voit le cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. À cause de l'attitude de nos cœurs, voilà ce qui nous cachait la gloire de Dieu, voilà ce qui nous cachait la présence de Dieu, voilà ce qui nous cachait l'approche de Dieu tous les jours de nos vies, parce que nos cœurs étaient mauvais. Et c'est à cause que ce cœur était mauvais que la Bible nous dit, Dieu envoya sa parole pour les guérir, pour les libérer et pour les sauver. Amen. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Amen. Et Dieu a envoyé cela, Dieu a permis cela pour que l'être humain puisse voir que la lumière est venue dans un être humain pour que tu puisses comprendre ce que c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. On pourrait se dire, mais comment on peut être le temple de Dieu? J'aimerais te dire que Dieu te l'a montré en envoyant Jésus sur la terre. Il était Dieu lui-même incarné sur terre. Et il a marché parmi les hommes il y a 2000 ans. Amen. Pour que l'homme puisse comprendre que ce n'est pas difficile pour Dieu d'être, d'habiter dans un homme et que l'homme soit son temple. Amen. Dieu a voulu te montrer que ce n'était pas trop difficile pour lui. C'est pas difficile pour lui, c'est difficile pour toi. Amen. Parce que quand tu donnes cette acceptation à Dieu, il y a, c'est vrai, une joie, il y a des délices spirituels qui deviennent sur ta vie, mais il y a aussi un renoncement. Renoncement aux œuvres mortes, renoncement à nos pensées, renoncement à nos raisonnements pour entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. Amen. Et tout au long de ta vie, Dieu va jeter un feu. Dès que Jésus parle, il y a un feu qui est jeté sur ta vie. Amen. Vous savez ce que c'est l'enfer? Est-ce que vous savez ce que c'est l'enfer? La Bible me dit que l'enfer est un endroit où il y a un feu éternel de lamentation. L'enfer n'a pas encore été ouvert. Mais vous savez pourquoi l'enfer sera terrible? Parce que l'enfer sera une parole de condamnation et de jugement éternel pour tous ceux et celles qui n'ont pas accepté Jésus et qui n'ont pas marché dans ses chemins. Autant la dépression a l'air d'être terrible sur terre, autant j'aimerais vous dire que les paroles de jugement de Dieu éternel est la chose la plus pire et la plus terrible qui peut arriver pour un être humain sur terre. Et si nous commençons à comprendre cela, nous allons savoir que l'enfer c'est terrible. Parce que quand la Bible nous dit que l'enfer est un feu, l'enfer est une parole de jugement éternel dans lequel la Bible nous dit que ce sera un endroit où il y aura des pleurs et des grincements dedans, un endroit de regret éternel. Ou juste une parole commence à traumatiser l'homme. Une parole de jugement commence à détruire l'homme. Et c'est pour cela que, actuellement sur terre, Dieu appelle le temps de la grâce. Parce que Dieu envoie le feu sur terre, pas pour juger, ni pour condamner, ni pour détruire, mais pour sauver, pour restaurer et pour guérir. Voilà pourquoi nous sentons le feu. Voilà pourquoi quand nous commençons à chanter et adorer quand sa présence descend, on sent une chaleur qui vient. Parce que le feu a un but dans nos vies. Amen. Et le premier but que tu vas faire, c'est amener toute chose qui est ténèbre dans nos vies à la lumière pour nous transformer. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire que dans nos vies, on va passer tous par différentes situations. Des situations que nous aimons, des situations que nous n'aimons pas,
des situations un peu plus difficiles. Mais maintenant, j'aimerais te donner une mode d'instruction, une façon de conduire. Comme nous avons un code de la route, aujourd'hui, on va te donner un code de la route spirituelle. Amen. Chaque circonstance et chaque situation de ta vie, donc chaque jour, il y aura un combat que tu vas commencer à mener. Amen. Et l'apôtre Paul parlera de ce combat et dira que c'est que tu dois combattre le bon combat de la foi. Amen. Donc c'est pour cela que la Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. Qu'est-ce que c'est vivre par la foi? Vivre par la foi, ce n'est pas dire d'avoir foi en tout et en n'importe quoi. Mais vivre par la foi, c'est savoir utiliser sa foi au moment où tu en as besoin. Amen. Alors je veux te dire que dans toutes les situations, dans tous les jours de ta vie, il y aura toujours deux directions qui vont venir. On va voir le moment où le diable arrive et on va voir où Dieu arrive. Amen. Vous savez, le diable est une personne qui aime bien être précipité. Dieu est une personne qui fait tout en son temps. Et dès que Dieu a un projet pour toi, dès que Dieu a une direction pour toi, j'aimerais te dire que le diable va essayer de venir par une de ses directions à lui pour que tu mettes foi dans sa direction. La direction du diable peut être une tentation, ça peut être une convoitise, ça peut être une séduction, ça peut être un écrissement, ça peut être un dégoût. Il vient avec tous ses différents sentiments. Et il te propose ça. Et tu ressens, quand tu commences la journée, tu ressens cette chose. Mais est-ce que tu vas mettre foi à ça? Est-ce que tu vas mettre foi à ça? Ou est-ce que tu vas dire, désolé, je n'accepte pas ça, je ne peux pas mettre foi en ça parce que je ne reconnais pas l'esprit de mon Dieu. Amen. Et alors, quand tu continues sur ton chemin, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la présence de Dieu qui vient. La présence de Dieu dans la vie d'un homme peut se manifester de mille et une façons. On peut sentir la chaleur, on peut sentir le feu. Tout d'un coup, il y a une joie qui nous saisit, on ne sait pas d'où elle tombe. Tout d'un coup, il y a quelque chose, une petite passion, une compassion, un émerveillement qui commence à descendre sur notre vie. On ne sait pas d'où ça vient. Est-ce qu'à ce moment-là, on va mettre notre foi en action? C'est ça qui est important à savoir. Tu veux savoir comment ta journée va être déterminée, mais tu n'arrives même pas à reconnaître les différentes saisons et les différentes circonstances qui se passent dans ta vie journalière. Nous voulons tous avoir du mérite et tous vivre des choses glorieuses tout au jour de nos vies. Mais maintenant, nous allons apprendre à discerner comment Dieu agit, comment Dieu commence à toucher, et là où nous devons mettre notre foi en action. Quand cela se produit, j'aimerais te dire à ce moment-là, mets ta foi en action. Et dis, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux me dire, mais je sais que tu es là. Et parce que tu es là, j'accepte de te suivre. Amen. Il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Vous savez, les premières des paroles que Jésus a dit à ses disciples, il ne venait pas les grandes paroles. Il venait et il faisait un signe. Et d'après ce signe, alors certains regardaient bêtement, n'ont jamais osé rentrer dans les signes, mais la plupart des disciples qui étaient avec Jésus, la Bible nous dit, ils ont vu Jésus, Jésus les a regardés, ils ont lâché ce qu'ils avaient et ils ont suivi Jésus. Ils ne se sont pas cherchés à comprendre. De la même manière que Dieu, que Jésus a donné les signes à ses disciples, chaque jour de ta vie, il va te donner des signes. Il a dit que ce qui nous accompagnera sera des signes, des prodiges, des miracles. Mais Dieu te donnera toujours un signe. Amen. Nous voulons tous être des gens comme Moïse. Oh, Moïse, Dieu lui parlait face à face. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde aimerait. Mais je vais vous dire, pour arriver à comprendre toutes les... à avoir vraiment la traduction claire de Dieu, il faut déjà que tu commences à comprendre les signes de Dieu. Amen. Quand Moïse a vu le buisson ardent, il savait. Il savait alors qu'il était loin du buisson. Il savait que c'était un signe de Dieu. Et il a dit, je vais monter. Et je vais le suivre. Amen. Et en suivant le signe que Dieu lui donnait,
Alors, la parole de Dieu devenait accomplie dans sa vie. Elle fut un homme d'une excellente foi. Amen. Le signe que Dieu a donné à chaque homme, quand il commençait à les suivre, alors il commençait à entrer dans le chemin de la foi. Chaque jour de ta vie, il y aura des signes que Dieu te donnera. Ce soit la joie, soit la paix, une compassion, un amour. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu dis, Seigneur, je vais te suivre? Amen. Et quand tu dis, Seigneur, je vais te suivre, ta foi est en action et là, la parole de Dieu commence à te faire vivre. Amen. Si tu sens le matin, tout d'un coup, une joie qui est là, dis, Seigneur, je vais te suivre. Cette joie va t'accompagner toute la journée et cette joie va devenir explosive dans ta vie. Ça va devenir explosif et une source d'inspiration dans ta vie. Et à travers cette joie, le Saint-Esprit va commencer à te donner ce qu'on appelle une révélation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu soupire pour ta vie. Amen. Mais maintenant, c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir reconnaître les signes de Dieu. Commence à devenir un homme, une femme attentif à ce qui se passe dans le monde spirituel. À t'attendre à Dieu. Amen. Le problème, c'est pas que nous n'aimons pas Dieu. Le problème, c'est que nous ne nous attendons pas à lui. C'est ça le problème. Nous aimons tellement Dieu que quand il nous donne des signes, on n'est même pas fichu de reconnaître qu'il nous donne des signes et on ne s'attend pas à lui. Commence à habituer ton cœur à t'attendre à Dieu. Il a dit dans la parole, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Et si nous commençons à avoir cette mentalité d'être prêt, alors le jour où il reviendra, nous serons prêts à partir avec lui. Amen. Cela, c'est seulement pour nous habituer au jour où il revient sur terre, à être prêt et partir avec lui. Amen. Et chaque jour de nos vies, chaque instant, chaque moment, notre cœur doit être prêt. Prêt à recevoir des signes. Tu peux être avec des amis, tu peux être dans l'église, tu peux être dans le travail. Mais dis, Seigneur, montre-moi un signe pour que je puisse te suivre. Les disciples avaient compris cela. Et les disciples avaient tellement compris cela que quand ils venaient chez Jésus, ils disaient à Jésus, Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus était étonné, il leur a dit, mais Philippe, ça fait tellement de temps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas reconnu. Bien souvent nous disons, oh, Saint-Esprit, montre-moi Jésus. Oh, si je pourrais voir Jésus, oh, si je pourrais avoir vécu il y a 2000 ans du temps de Jésus et voir Jésus devant moi, oh, qu'est-ce que ça serait beau. Le Saint-Esprit est là, il te dit, mais je suis avec toi depuis tout ce temps, et tu ne m'as pas encore reconnu. Amen. Ça, c'est la marche de la foi. Les signes que Dieu nous donne, c'est, viens et suis-moi. J'ai comme une image où je vois une personne qui est là et qui te fait juste ça. Et juste en faisant cette image comme ça vers toi, il y a quelque chose qui est déposé dans ta vie. Vous savez, l'être humain est très attentif quand il y a un signe qui lui est lancé. Si tu marches dans la rue, ou si tu vas dans le tram ou dans le métro, tu peux avoir 50, 100 personnes. Mais s'il y a une personne qui te regarde en face dans les yeux, qui ne te dit rien, mais qui te fait seulement ça, tout de suite, tu deviens attentif. Et là, tu peux poser des questions, mais pourquoi elle me fait ça? Pourquoi elle me demande de venir? Tu regardes comme ça, tu dis, moi. Et s'il te refait, tu vas aller vers lui. C'est vrai, c'est pas vrai. En tant qu'être humain, si une personne vient vous faire ça, vous allez dire, mais pourquoi tu m'appelles? Voilà la dimension dans laquelle Dieu veut nous amener. Il veut que tu deviennes un bon et une bonne serviteur et servante de Dieu. Et que quand Dieu te donne un signe, tu puisses aller vers lui, tu dis, Seigneur, tu m'as appelé. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.
La Bible nous dit petit Samuel alors qu'il était au temple ne connaissait pas les signes de Dieu. Et la Bible nous dit que tout d'un coup, l'Éternel appela Samuel. Il a dit Samuel, Samuel. La Bible nous dit Samuel alla chez Élie. Et lui dit retourne te coucher, je ne t'ai pas appelé. Et alors que plusieurs fois ça s'est répété, Samuel a vu que Dieu lui donnait un signe. Et alors à ce moment-là, il lui dira, voilà, quand la voix te rappellera, dis-lui, Seigneur, ton serviteur, écoute. Chaque fois que Dieu va te donner un signe dans ta vie, c'est qu'il veut te dire quelque chose. Amen. Si Dieu te donne une joie, c'est parce qu'il veut te dire quelque chose. Mais combien de fois lui as-tu dit, Seigneur, je te suis, je mets ma foi en action, tu m'as appelé. Que puis-je faire pour toi? Ou qu'est-ce que tu as à me dire? Et alors tu vas voir que si tu commences à marcher comme ça, même si Dieu peut-être ne te répond pas le jour même, peut-être qu'il va te répondre le lendemain, peut-être qu'il va te répondre pendant la nuit, on ne sait pas quand Dieu va nous répondre. Mais Dieu va voir que tu deviens un homme, une femme de foi, qui croit qu'il est vivant, et il va voir que tu crois à ses signes, à ses prodiges, qu'il envoie sur ta vie. La Bible dira dans le livre des Hébreux 11, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si Dieu t'envoie un signe et que tu crois que c'est lui qui t'envoie, parce que tu le sais par le Saint-Esprit dans ta vie, alors à ce moment-là, tu commences à plaire à Dieu. Et Dieu dit, petit bonhomme, petite femme, commence à bien te plaire. J'envoie des petits signes gentils, des petits signes amicaux, et il me répond, amen. Les signes de Dieu sont ces SMS pour ta vie. Amen. Un SMS ne nous parle pas. On n'entend pas une voix. Mais pourtant, on comprend. Pourquoi? Parce qu'on lit. Les signes, nous les lisons. Amen. Dans le monde spirituel, nous lisons aussi les signes. Tes yeux spirituels lisent les signes de Dieu. Et tu les lis comment? Il y a une joie qui vient, il y a une paix qui vient, il y a quelque chose que tu sais que ce n'est pas habituel, qui descend sur ta vie. Tu lis les signes de Dieu et tu dis, Seigneur, je vais te suivre. Parle, ton serviteur écoute. Et à partir de ce moment-là, tu commences à entrer sur le chemin de la foi. Quel drôle de signe quand Dieu a dit à Abraham, vous savez peut-être qu'Abraham était dehors, il regardait le ciel, et tout d'un coup un signe l'a interpellé, il a commencé à regarder les étoiles, quelque chose l'impressionnait, il a dit Seigneur, mais je suis là, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Plusieurs fois tu m'as donné un signe. Et là, à ce moment-là, je regarde les étoiles. Quelque chose se passe, une joie commence à me saisir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Le Seigneur lui a dit, compte les étoiles. Après, il commence à dire, mais Seigneur, c'est impossible. Il y a tellement d'étoiles, comment veux-tu que je compte? Autant sont nombreuses les étoiles, autant sera nombreuse ta descendance. La parole de Dieu venait de s'accomplir dans la vie d'Abraham. Mais au début, la Bible ne nous dit pas pour comment ça se fait qu'Abraham commence à regarder le ciel. C'est qu'il a dû avoir un signe. Et parce qu'il a senti le signe de Dieu, il a dit à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Il y a beaucoup de signes que Dieu t'a montré dans ta vie, que tu n'as pas fait attention et que tu n'as jamais pu avoir d'explication parce que tu ne savais pas comment marcher par la foi. Amen. Il y a des fois où Dieu vient nous parler clairement par les paroles prophétiques, mais tous les jours de nos vies, Dieu nous envoie des signes. Amen. Des signaux, des alertes, des SMS. Quand ton téléphone sonne parce que tu as un SMS, tu es le premier à sauter dessus pour voir qui t'a écrit. C'est normal. Tu sais qu'il y a un signe. Tu dis, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne nouvelle? J'ai gagné au jackpot? C'est un ami qui m'envoie un bonjour? Une mauvaise nouvelle?
il y a des signes. Amen. Et je veux vous dire, les signes de Dieu ne trompent pas. Et de la même manière que Dieu envoie des signes, le diable envoie aussi des signes. Amen. La Bible nous dit qu'il envoie toutes sortes de signes de prodiges au point de si possible, séduire même les élus. Séduire même les élus. Donc le diable envoie des signes. Mais parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous savons que dès qu'il y a un signe du diable qui est là, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Et à ce moment-là, on dit, Seigneur, je refuse ce signe parce que je ressens dans mon esprit que ce n'est pas un bon signe. Amen. C'est un signe de mauvaise augure, comme on dit. De mauvais présage. Ce signe-là ne vient pas de Dieu, puisque mon Dieu n'a pas de projet de malheur, mais il a des projets de paix. Amen. Tout ce qui n'apporte pas la paix, c'est un signe des ténèbres. Amen. Parce que nous prêchons le Dieu de paix, le roi de paix, le roi de Salem, le roi qui est au-dessus de toutes choses et qui procure la paix quand il parle et quand il envoie un signe. Tout ce qui vient mettre le trouble dans la vie d'un homme ne vient pas de la paix. À ce signe-là, nous reconnaissons que c'est l'esprit du diable et l'esprit de l'Antichrist. Amen. Mais quand Dieu vient, même si la parole semble dure, il y a une paix qui s'installe. Une paix qui surpasse notre intelligence, un signe de Dieu, pour te montrer ce qu'on appelle l'approbation. Ce qu'on dira le rhéma de Dieu, dans lequel ton cœur est touché au plus profond niveau, et tu sais que ça vient de Dieu. Amen. Voilà, et chaque jour de ta vie, voilà, ça va être quoi ton combat? Discerner. Tu es seulement ce qu'on appelle un homme, une femme qui discerne le temps qui se passe dans ta vie. Tu fais partie de la météo maintenant. Amen. Tu fais partie de ta météo spirituelle. De la même manière qu'il y a des observateurs qui observent le temps pour te dire demain il va faire beau, après-demain nous aurons tel et tel temps. Dans ta vie, tu es le discerneur de ton temps. Amen. Dans ta vie, tu commences à discerner quel temps. Est-ce que c'est de la pluie ou est-ce que c'est du beau temps? Amen. Mais dans ta vie spirituelle, ce qui est bien, c'est que si tu commences à comprendre où placer ta foi, tu seras toujours victorieux. Tu auras toujours la victoire. Et un jour, quand tu seras au ciel, Dieu te dira, viens, bon et fidèle serviteur. Encore un signe de Dieu. Il te fera encore une fois, viens. Et quand tu te diras bien, tu dis, Seigneur, j'ai tellement l'habitude de tes signes que quand j'arrive devant toi, encore un signe de toi, et je vois maintenant les signes en personne. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Et ça va au-delà de tous les dons que Dieu peut te donner, même pour le service. Ça, c'est dans ta vie de tous les jours. Pour que tu puisses grandir dans la foi et qu'on puisse un jour t'appeler un homme, une femme de foi. Un homme, une femme de foi, n'est pas seulement un homme, une femme qui a prié seulement pour des grands malades et que les malades ont été guéris. Ça, c'est un don. Mais un homme, une femme de foi, c'est un homme, une femme qui sait discerner les signes de Dieu, qui commence à marcher d'après les signes de Dieu et qui met sa confiance, non pas dans la parole d'un homme, mais dans la parole de Dieu à cause des signes qu'il envoie. Ça, c'est un changement. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut. Ça, c'est l'Église que Dieu veut. Ça, c'est les hommes, les femmes que Dieu veut. Et ce n'est pas un chemin facile. Mais c'est un chemin d'un observateur dans lequel tu commences à devenir patient. Parce que les signes de Dieu, c'est pas comme nous on veut qu'ils soient, c'est lui qui décide de les envoyer. C'est là que les fruits de l'esprit commencent à rentrer. Tu commences à devenir patient, tu commences à devenir miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Tu commences à être plein d'amour, rempli de joie, rempli de paix. Parce que tu commences à savoir comment marcher par la foi. Ce qu'on appelle les fruits de l'esprit mentionnés dans le livre de Galates 5. Amen. 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 Et par cela, nous commençons à comprendre quel
la fréquence d'expansion de Dieu. Amen. Si Dieu émet sur les ondes 105.3 et que toi tu émets sur les ondes 89.0, tu ne trouveras jamais la fréquence de Dieu. Amen. C'est pas à Dieu de se mettre à ta radio, c'est à toi de se mettre à la radio de Dieu. Amen. Nous le faisons humainement pour des choses qui sont humaines, normales. Si tu cherches une chaîne de télévision, tu ne vas pas mettre la 10 si tu veux regarder la 1. Tu vas regarder la 1 et tu vas appuyer sur le bouton. De la même manière, Dieu nous envoie des signes à nous de savoir les reconnaître. Amen. Amen. Dieu nous envoie des signes. Et si tu regardes dans ta vie, je sais que en ce moment que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit est en train de te montrer toutes les fois où Dieu t'a montré des signes. Ou toutes les fois où il y avait des choses que tu n'arrivais pas à comprendre dans ta vie. Ah, oh, j'avais une joie aujourd'hui, je sais même pas pourquoi. Je sais même pas qu'est-ce que c'était. Aujourd'hui, je me suis levé, j'avais une paix. Mais waouh! J'aurais pu filmer ça et de re-enregistrer avec une carte mémoire, j'aurais fait. Mais Dieu, ce qu'il voulait, il ne voulait pas que tu re-enregistres. Il voulait que tu dises, Seigneur, je vais te suivre. Parle, ton serviteur écoute. Si tu me donnes un signe, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux m'apprendre. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et alors, les paroles, comme tu as commencé à dire à Abraham, regarde les étoiles du ciel, il commence à compter. Il va commencer, sa parole va commencer à te faire vivre. Et de la même manière qu'il a parlé, à ton homme, il va commencer à parler. Amen. Et là, tu vas commencer à comprendre les messages de Dieu. Amen. Parce que si nous ne comprenons pas les messages de Dieu, on peut longtemps dire, Seigneur, parle-nous, parle-nous, parle-nous. Et plus tu demandes à Dieu, parle-nous, plus tu t'envoies des signes, plus tu reçois des choses spirituelles, mais tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment agir avec la foi. Et parce que tu ne sais pas agir avec la foi, tu sens que quelque chose va venir, mais tu ne sais pas quoi et tu ne vois jamais. J'ai vu énormément de chrétiens qui disent, oh, le Seigneur va faire quelque chose de grand. Je le sens, je le sens, je le sens. J'ai vu, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ah, je ne sais pas encore, mais il va faire quelque chose de grand. Et chaque jour, je le sens plus. Malheureusement, ces hommes et ces femmes n'ont pas compris que Dieu envoyait des signes, mais qu'ils attendaient que maintenant, ils mettent leur foi en action. Et parce qu'ils n'ont pas mis leur foi en action, ils passent à côté d'énormément de bénédictions que Dieu a pris pour eux. Et c'est ça le plus malheureux. C'est ça le plus malheureux. Et toute leur vie, ils vont dire, Dieu va faire quelque chose. Oh, je le sens. Oh, Dieu bénit. Oh, Dieu va faire. Mais ils ne le voient pas. Parce qu'ils ne comprennent pas les signes de Dieu. Amen. Nous ne voulons pas être des aveugles qui conduisent notre aveugle, mais nous voulons être des hommes et des femmes clairvoyants qui, sachant comment Dieu agit, nous fonctionnons par la foi. Amen. Quand tu commences à comprendre comment Dieu agit, alors c'est pas dur d'utiliser ta foi. C'est pas dur d'utiliser ta foi quand Dieu te donne un signe et de dire, Seigneur, je sens, ta présence elle est là. Tu m'as envoyé un signe. Maintenant, que veux-tu me dire à travers ce signe? C'est pas dur de dire ça. C'est à nous seulement de reconnaître. Et alors, à partir de ce moment-là, on commence à grandir. Amen. C'est un message qui semble un peu plus simple que vendredi. Vendredi, c'était le feu. On a commencé à comprendre comment le feu agissait, comment la communion avec le Saint-Esprit pouvait être connectée à cause du feu. Nous avons vu l'importance du feu. Amen. Mais maintenant, nous voyons les différents signes que Dieu peut donner dans ta vie et qu'est-ce qu'il attend pour que tu enclenches ta foi en action. Amen. Le feu vient te purifier pour que tu puisses avoir ces signes. Amen. Pour que tu puisses avoir ce contact spirituel avec Dieu. Mais quand tu as ce contact spirituel avec Dieu, ensuite Dieu commence à t'envoyer des signes. Soit il te parle dans la prière, soit il t'envoie des signes. Il dit maintenant, on va voir s'il va répondre à mon SMS. On va voir s'il est autant amoureux de moi qu'il le dit. Je vais lui envoyer un message. Vous savez, les amoureux, comment ils font ? Pour être sûr, alors qu'ils sont tous, ils viennent de se rencontrer, pour être sûr qu'ils s'aiment bien, alors ils s'écrivent une lettre. On va voir comment il va répondre à la lettre. Surtout les jeunes femmes, ils aiment bien ça.
ils écrivent une lettre et ils vont voir la réponse. Et en fonction de la réponse de la lettre, ils vont dire ah, il m'aime un peu moins ou un peu plus que je pensais. Amen. Mais Dieu, de la même manière, il t'envoie des signes. Et comment tu vas raisonner à ces signes? Lui, il va calculer l'ampleur de ton amour. Il m'a dit, il m'aime. Il m'a dit, Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, tu connais mon cœur comme il t'aime, comme mon cœur t'adore, t'exalte. Ok, Dieu a entendu ça. Il dit, je vais t'envoyer un SMS, on va voir si on va répondre. Dieu t'envoie un SMS. Et quand Dieu t'envoie un SMS, tu ne réponds même pas. Dieu dit, je ne peux pas croire à cet amour. Amen. Mais par contre, si Dieu t'envoie un signe et tu dis, Seigneur, je sais que tu es là. Qu'est-ce que tu veux dire à ton serviteur? Dieu, tu n'avais plus besoin de dire que tu l'aimes, il sait que tu l'aimes. Amen. Parce que tout peut être un signe. Amen. Nous ne sommes pas des gens mystiques, mais Dieu peut t'amener des signes partout. Vous savez, Abraham qui regarde le ciel et qui regarde les étoiles, aujourd'hui on pourrait nous dire, mais il faut être fou pour regarder, pour essayer de trouver un signe à travers les étoiles. Mais Dieu avait donné un signe à Abraham. Et quand Abraham a demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe quand je regarde les étoiles? Quelque chose m'émerveille, je ne sais pas quoi. Dieu lui dit, essaye de compter les étoiles. Une folie pour l'homme. Si Dieu te donne un signe comme ça et qu'il t'y croque les étoiles, tu vas dire, mais c'est quoi cette rigolerie? Et quand Abraham commence à croter, il dit, mais Seigneur, j'y arrive pas, c'est tellement grand qu'il y a tellement d'étoiles. Il dit, aussi nombreuses sont les étoiles du ciel, aussi grande et puissante sera ta postérité et ta descendance sur la terre. Amen. Donc le message que nous devons retenir aujourd'hui, c'est quand les signes de Dieu viennent, mets ta foi en action. Amen. Parce que c'est ça que Dieu attend de toi. Il te donne des signes et il attend une réponse de toi. Amen. Et ensuite, peu importe comment ça se passe, tu as donné ta réponse, tu as fait ta marche de foi. Le reste, c'est Dieu qui va le faire. Amen. Tu as fait ta marche de foi, donc le reste, Dieu va le faire. Et par cette action, Dieu va voir que tu l'aimes énormément, parce qu'un petit signe de lui, un petit message de lui, un petit SMS de lui, et tu réponds, garde à vous, Seigneur, je suis là pour toi. Amen. Répondre au signe de Dieu est symbole de répondre à la disponibilité que Dieu veut que nous ayons pour lui. C'est ça, être disponible pour Dieu. Amen. Beaucoup de gens disent, voilà, je ne suis pas assez disponible pour Dieu parce que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup ceci, j'ai beaucoup cela. Ça, c'est l'excuse. Parce que Dieu peut t'envoyer des signes n'importe où tu es. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir son signe et à répondre au signe que Dieu t'envoie quand il te l'envoie? C'est ça qu'il faut se demander comme question. Et c'est là, quand tu réponds au signe que Dieu t'envoie, Dieu te dit, cet enfant est dispo n'importe où il est. Amen. Cet enfant, ce fils, cette fille est disponible partout où il est. Et ça, j'aime. Parce qu'il n'a pas besoin d'un endroit stratégique ou d'être isolé pour avoir une foi. Mais quand je lui envoie un signe, alors il croit. Amen. Quand je lui envoie un signe, il croit. Et là, tu commences à grandir dans les chemins de la foi. Là, ta foi personnelle commence à grandir. Et là, tu commences à être affermi. Parce que tu sais que Dieu envoie des signes. Amen. Et quand tu grandis dans les niveaux des signes, ensuite Dieu te fait voir des prodiges. Et quand tu as vu les prodiges, Dieu te fait voir les miracles. Amen. Des signes, des prodiges, des miracles. Mais on commence toujours par les signes. Amen. On s'envoie d'abord des SMS. Ensuite, le prodige, c'est la voix de Dieu. On s'appelle. Quand on a écrit beaucoup d'SMS, on dit, ah, ça commence à brûler là.
Là, il faut que je l'appelle, il faut que j'entende la voix. Et là, on se téléphone et on se parle. Et ensuite, quand la voix devient, on dit, oh, on a tellement de choses à dire, ce serait bien qu'on se voie. Et là, c'est le miracle de Dieu, c'est le mot Sinaï. Dans lequel les enfants d'Israël ont commencé à voir la gloire de Dieu qui resplendissait sur tout le monde. Eux, ils voyaient la montagne en feu. C'était le miracle de Dieu. Et là, tout devenait possible. Amen. Dans lequel, et ce verset devient réel. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Mais qui croit quand? Quand il y a des signes qui sont envoyés. Quand le SMS commence, alors on commence à discuter. On commence à parler. Et quand les signes deviennent tellement présents, au bout d'un moment, il y a le prodige. Là, on commence à parler à Dieu de vive voix. Et quand le prodige est là, alors on veut voir Dieu. C'est ce que Moïse avait au bout d'un moment. Le prodige de parler à Dieu face à face. Le prodige est tellement qu'il a dit à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Et le jour où l'église arrive dans une telle dimension, c'est que l'église a commencé déjà par les signes. L'église a continué par les prodiges. Mais là, il cherche le miracle de Dieu. Seigneur, je veux te voir. Et c'est ça qui amène le retour de Jésus sur terre. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Il dira à l'apôtre Jean, dans le livre de Patmos, dans le livre de l'Apocalypse, et l'esprit et l'épouse disent, viens. En d'autres termes, et l'esprit et l'épouse disent, Seigneur, je veux te voir. On a tant de fois dit, on a reçu les signes, les prodiges, mais maintenant nous voulons voir le miracle. Nous voulons voir ton retour. Voilà une dimension qui peut changer toute une mentalité, toute la mentalité de l'Église. Mais commençons par les signes. Commençons par répondre aux SMS de Dieu. Dieu parle à travers toute l'humanité. Dieu parle à travers toute l'humanité. Et il recherche ses fils, ses filles qui répondent à ses SMS. Qui répondent à ses signes. Mais trouve-t-il? Il trouve beaucoup d'hommes et de femmes qui disent Seigneur, nous t'aimons, mais très peu qui répondent aux signes qu'il envoie. Et c'est cela que la Bible nous dit que le chemin qui mène au ciel est étroit et resserré et que peu le trouvent. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que tous nous sommes appelés. Mais combien répondons-nous aux signes? On a répondu au premier signe, le signe du salut, le signe que Dieu nous a fait dans lequel la repentance est descendue sur nous. Mais il dira à l'église de Galates, pourquoi après avoir commencé par l'esprit, continuez-vous par la chair. Apôtre Paul dira à l'église de Galates, pourquoi après avoir commencé par l'esprit, continuez-vous par la chair? Le premier des signes que le Saint-Esprit vous a donné, le premier des signes que Dieu vous a donné, vous y avez répondu ardemment. Quand il vous a dit qui veut donner sa vie à Jésus, tu es venu et tu as répondu au signe. Mais chaque jour de ta vie, il te donne des signes. Combien de fois réponds-tu? Et dis Seigneur, je suis là et je vais continuer à te suivre. Amen. Si tu réponds au signe de Dieu, au bout d'un moment, les signes de Dieu vont devenir tellement brûlants dans ta vie que les prodiges vont se recommencer. Amen. Et là, quand le prodige se commence, tu deviens ce qu'on appelle ami de Dieu. Jusqu'avant, tu n'es pas ami de Dieu. Parce que tu n'as pas parlé avec lui. Amen. Tu as été sauvé par grâce. Tu es devenu enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Mais tu n'es pas encore ami. Amen. Mais quand tu as à passer le cap de signe, à ce moment-là, quand tu arrives dans le niveau de prodige, tu deviens un ami de Dieu. Et le miracle, nous le vivons ensemble. Le jour où Jésus revient sur terre. À moins que Dieu te fasse la grâce de voir Jésus directement sur terre. Amen. Il a déjà fait la grâce à plusieurs. De voir Jésus directement. Amen. Donc c'est un message pour pouvoir consolider votre foi. Et que tu puisses être transformé. Que tu puisses comprendre maintenant comment la foi marche et où tu dois poser ta foi.
Dès qu'il y a un signe de Dieu, place ta foi. Mais quand le diable t'envoie un signe, refuse. Amen. Parce que quand Dieu commence à donner un signe, tu as répondu à ce signe, que Dieu te parle, le diable va aussi venir te donner un signe et va aussi essayer de te parler en te faisant croire que tout ce que tu arrives, tout ce que tu crois, c'est un mensonge. Mais ça, c'est le diable. Ne mets pas ta foi dans ça. Et commence à mettre ta foi dans les signes de Dieu. Amen. Et j'ai fini là pour mon message, on va prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce et je te loue parce que c'est toi qui es dans l'église. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin encore, tu nous as donné un signe puissant. Alors que nous étions dans la louange, Seigneur, ton feu était là, Seigneur. Moi, j'ai réellement senti, Seigneur, ton feu et le fleuve des nations qui était là. Seigneur, mon Dieu, mon roi, et aujourd'hui, nous voulons répondre au signe que tu as donné à l'église. Ensemble. Seigneur, oui, nous voulons te suivre. Oui, nous voulons te suivre, non seulement dans nos vies, mais nous voulons te suivre pour le réveil des nations. Nous voulons te suivre pour la gloire. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je sais que plusieurs sont là, Seigneur, encore ce matin, dans lesquels tu leur as donné des signes, mais que bien des fois dans la vie, ils n'ont pas compris. Seigneur, merci pour la compréhension que tu leur donnes aujourd'hui. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, chacun d'entre nous, nous puissions entrer dans les différents signes et dans les différents prodiges et miracles dans lesquels tu as préparé d'avance pour nous. Seigneur, je veux réellement te remercier. Je détruis encore toute œuvre que le diable voulait faire dans les cœurs. Seigneur, là où mes frères et mes sœurs ont placé leur foi dans les paroles du diable ou dans les signes du diable, maintenant je détruis maintenant toute œuvre des ténèbres. Et je déclare, Seigneur, qu'ils ont un cœur prêt, à cause de ta présence, à mettre la foi dans les signes que toi tu vas leur donner. Seigneur, je te demande vraiment que l'Église devienne attentive. Je te demande pour chacun de mes frères et mes sœurs un cœur attentif. Attentif aux signes que tu vas leur donner. Pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.